Hello, in this series of videos, I'm going to help you get ready for your TESF or TOEF French exams. Imagine that you are sitting at a real exam and you'll be given this topic to speak or write. L'achat en ligne, êtes-vous pour ou contre? Online shopping, do you agree with it or disagree with it? This is what I came up with. You can think more and talk more about this subject. I just want to help you and give you ideas. You can even memorize some sentences and use them in the real exam. L'achat en ligne, êtes-vous pour ou contre? De nos jours, les achats en ligne sont si courants et de nombreuses personnes dans le monde entier profite de cette nouvelle façon de faire des achats. Nowadays, online shopping is so common and many people around the world are taking advantage of this new way of shopping. Cependant, however, comme toute autre nouvelle tendance, like any other new trend, elle présente des avantages et des inconvénients. It has advantages and disadvantages. So, let's talk about the advantages and disadvantages. Tout d'abord, c'est rapide, it's fast, hein? Et je n'ai pas besoin d'aller dans un magasin physique. I do not have to go to a physical store pour acheter ce dont j'ai besoin, to store, to buy what I need. C'est juste un clic, it's just a click. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'embouteillage pour acheter quelque chose. I do not need to go into the traffic jam to buy something. C'est très facile car presque tout le monde sait aujourd'hui utiliser Internet sur son téléphone ou son ordinateur. It's very easy because almost everyone knows today to use the Internet on their phone or computer. C'est pratique. It's convenient. Il y a un grand nombre d'options devant vous. À l'écran, un formulaire que vous pouvez sélectionner et comparer pour trouver celle qui répond à vos besoins. There are a lot of options in front of you on the screen, a form that you can select and compare to find the one that meets your needs. Les magasins en ligne ont généralement des prix réduits. Online stores generally have reduced prices car ils ne doivent pas embaucher beaucoup de personnel pour travailler dans le magasin because they do not have to hire a lot of staff to work in the store et ils donnent également un salaire inférieur à leur personnel and they also give a lower salary to their staff. En outre, in addition, ils doivent concurrencer leurs rivaux. They must compete with their rivals sur le marché, on the market. Et doivent donc réduire les prix. And must therefore reduce prices. L'un des atouts des achats en ligne est que one of the strengths of online shopping is that nous pouvons connaître l'opinion des autres clients grâce aux commentaires qu'ils laissent sur le site web du magasin concernant le produit qu'ils ont acheté. Et that we can hear other customers' opinions through comments they leave on the store's website. S'ils laissaient de bons commentaires, vous pourriez être sûr que c'était un bon produit. If they left good comments, you could be sure it was a good product. Les magasins en ligne livrent le produit à votre domicile. Online stores deliver the product to your home. Vous n'avez donc pas à transporter d'articles lourds ou volumineux. So you do not have to carry heavy or bulky items. D'autre part, on the other hand, dans les achats en ligne, on ne peut pas essayer, vérifier, toucher, en apprendre davantage sur la qualité, la taille et la couleur de produits qu'on va acheter.
I want to talk about the disadvantages. In online shopping, you cannot try, check, touch, learn about the quality, size, and color of the product that you want to buy. En ce qui concerne la couleur et la taille, la situation peut être pire, car la couleur à l'écran peut être différente de celle de la vie réelle. Et quant à la taille, la taille peut différer d'un pays à l'autre. Par exemple, une veste française de taille 42 est différente d'une veste allemande de même taille. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de devenir un fraudeur lorsque vous utilisez votre carte de crédit. Donc, avant de faire un achat en ligne, assurez-vous que le site est fiable et que vous entrez vos informations de carte de crédit dans le bon site. If you do not pay attention, you risk becoming a fraudster when you use your credit card. So before making an online purchase, make sure the website is reliable and that you enter your credit card information in the right website. Si je n'aime pas le produit et que je souhaite le retourner et me faire rembourser, cela risque d'être un peu difficile, surtout si je l'achetais à l'étranger. If I do not like the product, I want to return it and get a refund, it may be a bit difficult, especially if I buy it abroad. Un autre problème est que certaines marques peuvent refuser de vendre en ligne. Nous devons donc aller à leur magasin physique. Another problem is that some brands may refuse to sell online, so we have to go to their physical store. Tout cela étant dit, je préfère moi-même aller faire du shopping parce que j'aime vraiment sortir avec mes amis pour faire de shopping. De cette façon, je peux vérifier, essayer et toucher le produit. Je peux m'assurer que la couleur et la taille sont exactement comme je le voulais. All that being said, I prefer to go shopping myself because I really like going out with my friends for shopping. In this way, I can check, try and touch the product. I can make sure the color and size are exactly the way I want it. Just relax and I'm sure you'll do great at the actual exam. Please leave your comments if you have any questions. Don't forget to subscribe to my channel to be notified about the new videos I upload. Have a good day and bon chance at the real exam.